seconde, la plupart des fonctions étudiées s'appuyaient, reposaient sur une fonction de référence appelée la fonction carré, f de x égale x au carré, qui se représente par une parabole. Cette fonction est dans un premier temps décroissante, puis croissante, et présente donc un minimum ici à l'origine du repère. En première, nous allons appuyer nos études sur de nouvelles fonctions de référence, à commencer par la fonction cube, ici représentée. Cette fonction est définie quelle que soit la valeur donnée à x, et cette fonction est toujours croissante. Nous nous appuierons aussi sur la fonction racine carrée. Cette fonction, vous le voyez, n'est définie que pour des valeurs de x qui sont positives. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Et cette fonction est elle-même toujours croissante. Et enfin, dernière fonction, la fonction inverse, ou encore 1 sur x, qui présente elle une particularité, c'est-à-dire c'est une discontinuité, c'est-à-dire qu'elle est en deux parties. Elle est en deux parties puisque cette fonction n'est pas définie lorsque x est égal à 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Donc il y a deux parties, mais ces deux parties, regardez bien, sont décroissantes. Donc la fonction inverse est toujours décroissante et n'est pas définie en 0. Nous allons maintenant compiler tout ça dans le document de cours. Vous retrouvez ici donc les trois représentations graphiques. D'abord ici en rouge la fonction cube, en vert la fonction racine carrée et enfin en bleu avec les deux parties la fonction inverse. La fonction x cube, tout d'abord. Donc cette fonction, on l'a vu, était définie quelle que soit la valeur donnée à x. On dit donc que cette fonction est définie pour x appartenant à l'ensemble des nombres réels qui se notent grand R. Ensuite, cette fonction, nous l'avons vu, est toujours croissante. Maintenant, il s'agit de définir et de calculer l'image pour x égale moins 5. Eh bien, moins 5 au cube, ça nous donne moins 125. Et ici, l'image de 5, 5 au cube, ça nous donne 125. La fonction sur x maintenant. On l'a vu, cette fonction présente une discontinuité car elle n'est pas définie lorsque x est égal à 0. Ça fonctionne pour toutes les autres valeurs de x, mais pas pour x égale 0. On note alors que la fonction est définie pour x appartenant à R, avec une petite étoile ici, étoile signifiant que c'est tous les nombres sauf 0. C'est d'ailleurs ici pour ça qu'ici on le retrouve. Pour maintenant tracer son tableau de variation, c'est une fonction qui est décroissante, mais décroissante en deux parties. Donc on fait comme ceci. Et pour signifier la discontinuité, on va venir ici tracer une double barre parallèle, si on le fait bien. Il s'agirait là encore de calculer ici, 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 les images de moins 5 et de 5, mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos futurs exercices. Enfin, la fonction racine carrée maintenant. Cette fonction, nous l'avons vu également, est définie pour tous les nombres x positifs. Donc cette fois, on va écrire x appartenant à R, ensemble des nombres R, affecté d'un petit plus, pour signifier qu'on ne parle que des nombres positifs. Et enfin, cette fonction, elle est toujours croissante, donc on va noter ici, une flèche qui monte. On peut également calculer l'image de 0, racine carrée de 0, ça fait 0. Et l'image de 5, racine carrée de 5, ce n'est pas une valeur exacte, donc on a le droit de noter tout simplement ici, racine carrée de 5.